Cette convention, elle s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre des orientations de nouveaux plans de développement voulus par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc le groupe Tijari Wafa Bank a mis à la disposition du Centre Régional d'Investissement via cette convention son expertise et aussi bien que ses compétences pour pouvoir soutenir et aider les entreprises de la région à réaliser leurs projets. Donc ce soutien, il s'articule autour de deux axes. Donc un soutien non financier dans l'accompagnement, dans le conseil et aussi dans des réunions, des B2B et des rencontres, soit par l'organisation des webinaires, soit par de présentiel. Et aussi un soutien financier par la mise en place, par la mise à la disposition des entreprises, des solutions de financement dédiées sur mesure pour pouvoir répondre à leurs besoins. Aussi bien faire bénéficier ces entreprises des filiales de groupe, soit les filiales locaux via dans leur domaine bien précis ou les filiales à l'international, surtout en Afrique, pour aider les entreprises exportatrices à promouvoir leurs produits et l'exporter à l'international. Ce matin, en présence de M. le Wali de la région Sousmassa, la signature d'une convention qui nous y unit, nous, Centre Régional d'Investissement de la région Sousmassa, au groupe Tijari Wafa Bank. L'objectif de cette convention porte sur un certain nombre d'objectifs concrets qui seront d'un grand avantage, Inch'Allah, pour nos opérateurs économiques qui opèrent dans l'industrie, mais aussi pour nos auto-entrepreneurs et nos entrepreneurs. Un des objectifs phares est de pouvoir, à des séances de formation en matière de passation d'expertise pour ces opérateurs-là, pour nos investisseurs, mais aussi faire bénéficier un peu l'ensemble de ces opérateurs et ces investisseurs, notamment ceux qui opèrent dans l'industrie, de conditions très avantageuses en matière de réduction de frais de dossier pour le traitement. Nous parlons de 50% de réduction de frais de dossier pour les demandes d'accompagnement financier. Nous avons des avantages aussi ou des offres de financement assez avantageuses par rapport à ce qui existe, mais aussi un temps de traitement très court et quantifiable, hein, qui est de 15 jours comme maximum en matière de temps de traitement de dossier, bien sûr, bien évidemment, si toutes les conditions du dossier sont réunies. On a un bilan sur les... parce que ça fait bientôt 4 ans que...